Bonjour, bonsoir, c'est Limitrailleur. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA V. Là, je voulais voir si vous avez remarqué ma voix déjà. Voilà, je suis malade. Je sais pas si ça se remarque trop parce que la qualité de mon son il est pas ouf. Mais bon. On va voir ici, tu vois, disque non reconnu de GTA V. Mais c'est pas grave. Parce que justement, j'ai racheté le jeu en ligne directement et donc je l'ai téléchargé sur un disque dur de 320 gigas que j'ai eu à Noël il y a longtemps. Donc tac, on va le lancer. Le chargement vient de se lancer, on va pouvoir y aller. Voilà, là je suis avec Franklin. Je pense que je vais changer de personnage. Ouais, je sais pas en fait. T'as un problème toi? Attends, attends. Oh, connasse. Bon, en tout cas, elle est morte. Elle avait un petit problème. Hein. C'est pas de ma faute. Je voulais juste une voiture de base. Oh. Ouais, je vais aller à mon garage vous montrer quelques voitures là. Tac. Sachant qu'en fait, je vais vous expliquer un truc. Quoi, la voiture de flic. On m'a vu, on se parle. On peut rentrer dans le garage en ayant les flics, donc ça sert à rien. C'est pas grave. Hop, capacité ralentie. Oh la vache. Ah bah là ça picote hein. Y a pas d'autre mot. Excusez-moi, je suis pressé. Salut. Eh ouais, moi je suis le fou du début. Oh putain, mais elle roule plus la voiture, non mais sans blague. Fonce dedans, malade va. Ouais, je peux pas changer de voiture, il y a des flics en plus. Oh la vache, c'est galère. Il y a un hélico en plus. Bon, je le vois pas, mais je regarde pas devant moi non plus, donc c'est pas plus intelligent. On va y aller petit à petit. Il n'y a pas de problème. On y arrive. Quand même, ouais, j'ai envie de tout péter les pompes à essence, mais on va dire que j'ai pas le temps. Tac, c'est bon. Petite pause de temps de chargement. Bon, perso, moi j'ai ça. J'ai une Turismo là. Ça me sert à rien du tout. C'est juste cela que j'ai rentré dans le garage, juste pour rentrer dans le garage. Et là, vous voyez que c'est écrit appuyer sur la flèche de droite pour sélectionner un véhicule spécial. Donc, tac. Et là, on peut voir qu'il y a toutes les voitures utiles du jeu. Donc, moi, c'est soit je prends la zone Torino, d'habitude. Soit je prends la Jester de course ou la Mascaro de course, si elle est bien. Mais moi, je préfère la T20. C'est vraiment pour moi, je pense, c'est la plus rapide. Vous allez voir. Je pense vraiment que c'est la plus rapide du jeu. Et allons jette. Allez hop. Oups. Désolé. Vous voyez comment. Oh merde, j'ai pas fait chier. De toute façon, elles ont toutes les blindages à fond, je crois. Donc elles se cassent très difficilement. Faut juste faire gaffe aux roues. Ou alors vous les customisez pour les roues. Mais... Voilà. Cette voiture, je la trouve vraiment très cool. Surtout quand vous l'avez customisée pour avoir les roues. Increvable. Ah merde, il y a des hélicos. On va surpérer. Ah, fait chier les flics. Il n'y en avait pas dans GTA, qu'est-ce qu'on pouvait dire? Dans la vraie vie, je dis pas, mais dans GTA, sérieux.
Alors bah ça donne du sens au jeu quand même, parce que sinon le jeu n'aurait aucun sens, d'accord. Au revoir. Ah bah je vais passer en dessous, tiens. Ça qui est bien, les voitures assez hautes, tu leur places dessous tranquillement. Ah, j'espère qu'il y aura un jump pas loin. Hein. Peut-être. Non, non, pas de jump. Non, bah. Écoutez. Au revoir. Je vais essayer de. Ouais, je vais essayer un truc. Je vais sauter là. Et je vais aller dans l'aéroport. Essayer de choper un avion peut-être. Ah mais merde. Ah bah là, la porte là. Ouais c'est ça, je vais pas m'arrêter, je comprends. Après ce que j'ai fait, ils vont me mettre où? En prison. Hein. Hop, excusez-moi, j'ai pas trop le temps de vous dire de partir. Pérez avec qu'à partir par instant. Enfin, je serais parti par instant. Allez, grouille là. Est-ce que j'ai acheté un hangar là-bas au moins? Parce que oui. Il y a un hangar. Alors, on va pouvoir y aller à pleine vitesse ici, il n'y a pas de route, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de trottoir, on va pouvoir y aller à fond. Pour les semer, il n'y a rien de mieux que l'aéroport. Il y a vraiment qui arrive à me suivre? Ah, les flics ils roulent pas comme ça normalement. Alors évitez de rouler sur la terre, ça ralentit votre voiture pas mal. Ils m'ont déjà perdu quoi. J'hallucine. Je serais flic, enfin, dans GTA je serais flic, j'aurais pas perdu la voiture. Bon, c'est pas le sujet. Pour sélectionner un autre véhicule, tac. Voilà. Le Versa, ça j'adore. Ils m'ont déjà repéré, donc je vais me dépêcher. En fait, c'est un avion de chasse, mais en version plus petite. Mais en fait, vous l'avez pendant tout le temps, tout pareil. Que les voitures. Et on décolle. Ciao. Par contre, la capacité de conduite de Franklin n'est pas du tout au max. Non, je vais vous montrer ça là. Non, conduite, c'est bon. C'est pilotage, il a qu'une barre. Donc, on va essayer de le faire piloter un petit peu. La prochaine fois, je prendrai Trevor pour piloter. Parce que, en plus, Trevor il a moins de sous. Donc, s'il meurt, limite, je m'en fous un peu, quoi. On va essayer de passer sous quelques ponts, faire des rase-mode, tout ça. Après, on changera de véhicule. Pour l'instant, on va voir ce qu'on peut faire. Alors. Chaud quand même, hein. Je passe à ras des apparts, des buildings. Bon, j'ai perdu les flics, ça c'est une bonne chose. Par contre, je sais pas s'il a un parachute là-dedans, donc je vais pas prendre le risque de sauter, sachant que je n'active pas les codes de triche sur ce compte. Je peux essayer d'aller dans la base militaire, ou alors je vais survoler des ponts. Ailleurs, on verra, on verra. Ouais, j'ai plus de batterie. C'était un prank. J'ai de la batterie. J'ai envie de faire un looping, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je vais monter un peu en hauteur. Voilà, il est là le looping. Ah merde, mais là, je vais pas y arriver là. Militaire est juste là. Je vais essayer de le survoler. Vu que j'ai un avion militaire. Ah merde. Non, ils m'ont quand même vu.
Oh la vache. Oh. Ouh. À quelque chose près, je m'écrasais. Bon, j'ai de la chance d'être encore en vie, quand même. J'ai failli crever. Plus d'une fois en plus. Oh merde. Oh bah j'ai voulu sortir mais c'est pas passé comme prévu. Bon allez, on va faire autre chose, je vais prendre Trevor. Je sais pas trop ce qu'il s'amuse à faire là. Bon. Ah ok, il est bourré, ok. C'est bon, il est plus bourré, on peut y aller. C'est bon, Trevor, on peut y aller là. Plus bourré. Alors on est où sur la map parce que moi je suis bourré. Ah ok, on est là. Donc je vais aller à son garage. Puis du garage, on ira prendre une voiture pour aller à son aéroport. Ça fait long quand même la route. Hein. Intérêt de prendre un truc solide parce que moi les voitures elles font pas longtemps en général. Toujours à moitié bourré, ça me fait délirer. On peut voir lui sa compétence de pilotage, elle est quasi au max. Donc voilà. J'aime bien Trevor. En plus, il a pas trop de sous, donc on peut se scratcher autant qu'on veut. C'est pas, il a que 20 000, je crois. Regardez sur son téléphone. Argent. Il a que 16 000. Alors que Franklin, il a 300 000 et Michael, il doit avoir 500 000. Parce que il y a pas longtemps, hier, j'ai fait le braquage de la bijouterie. Donc voilà. Alors je sais pas si on peut refaire les braquages pour récupérer encore l'argent. Vous me dites ça en commentaire si c'est possible. Parce qu'on peut refaire les missions. Je sais pas si on peut refaire les braquages aussi. Donc, si vous le savez pas, dites-le moi spécialement. En parlant de la vidéo là, elle est pas trop montée, je crois. À peine, je sais même pas si je vais mettre l'intro et l'outro. Parce... Oh là, ça a bugué là, on est d'accord. Parce qu'en fait, mon portable il bug un petit peu, donc c'est un peu chiant. Alors, un problème à la voiture, c'est ça? Regarde. Tac. On va voir. On va voir. Mais non, madame, c'est pas ce que vous croyez. C'était un prank. Alors là, il n'y a rien. C'est pas... On va. Hop. Et je vais prendre au hasard, tiens, pour une fois. Allez, 3, 2, 1. Stop. La Virgo. Je ne connais pas. On va bien voir. J'espère que c'est pas un vieux camion parce que je vais être obligé de recommencer. Parce que oui, il y a quelques camions et des trucks. Bon. Ça peut le faire. C'est pas une voiture de course comme je les aime, mais là, on va dire que j'ai pas trop le choix en fait. Parce qu'il y a des flics. Et qu'on va se dépêcher. Par contre, elle roule pas du tout vite. Ça va m'énerver au bout de 2 secondes. On va faire la route tranquille. Je vais faire pause en attendant. Au moins, comme ça, vous allez pouvoir voir après, avant la conduite, la voiture est toute neuve. Vous allez pouvoir voir après la conduite, je pense, je sais pas vous, mais moi je pense que ça va être déglingué. Allez, on va voir ça. Instant de la route avec le mitrailleur, c'est très passionnant. Surtout quand il y a un mec qui me fait un fake, va. Alors, on va voir si c'est rigolo. Allez-y, boum, c'est rigolo de me faire un fake. Tu penses que c'est encore rigolo? Allez. C'était petit instant de la route avec les mitrailleurs. Et voilà, on est presque arrivé. Je vais terminer la route. J'ai même mon hélico. Par contre, il aurait pu s'habiller. Alors.
Est-ce qu'il y a d'autres hélicos? Ah oui, j'ai trois hélicos différents. Donc j'ai lui. S'il veut bien se montrer. Je crois qu'il ne veut pas spawner. On se barre, de toute façon on va chercher un avion, nous, c'est pas un hélico qu'on a besoin. Ah bah c'est bon, il est là. Oh putain, il est joli. Bon. On verra les hélicos plus tard peut-être. Là, moi je vais à un avion. Alors, donc le Bersa, évidemment. Mon avion préféré. On va attendre qu'il spawn. Il n'a pas l'air de se poser, sérieusement. Alors, hélico, tu te ramènes? Je vais m'éloigner un petit peu, peut-être que c'est ça. On va voir. Non mais je vais vous retrouver quand j'aurai fini de le faire spawn parce que là il veut pas en fait. Alors en fait je suis vraiment un gros con parce qu'en fait le véhicule il spawn pas dans le garage, il spawn juste sur la piste directe. Donc en fait depuis tout à l'heure il avait bel et bien spawné, c'est juste que bah voilà je suis paumé. Non mais t'arrêtes ça. Rééducation de la faune et de la flore. Non, sérieusement. On est dans GTA, on s'amuse, mais faites pas ça en vrai. Hein. Allez, salut. On va décoller pendant un bon bout de temps. Moi, je décolle pas qu'à moitié, moi. Soit je décolle, soit je décolle pas. Salut. Oh, avec lui, c'est les avions, ils sont trop maniables. Bien, quand même, on va faire ça à l'envers. J'adore. Bon, de quel côté de la map on va? Base militaire, je sais pas moi, plage, aéroport, école de pilotage, ça m'intéresse pas. J'ai pas besoin d'école avec Trevor, donc j'ai déjà bien. Franchement, on va s'amuser un peu et après on va prendre Franklin pour faire la mission. Donc, bah, moi ça me va. Donc, on va s'amuser avec les ponts un petit peu jusqu'à ce que l'avion pète. Hein. Et après on ira faire la mission. Donc, je me dirige dans la bonne direction. C'est parfait. Hop. Oh, excusez-moi, sur les montagnes on peut faire des rasemotes. Rasemotes, moi si j'appelle ça, c'est rouler à voler à ras la montagne. Voilà, comme ça, là, ça j'adore faire ça, trop satisfaisant. Même des fois, toucher un petit peu la partie rocheuse, j'adore. Alors, on va passer sous des ponts aujourd'hui. Là-bas, là, y a des ponts. On va essayer de passer en dessous. Avec mes. Moi, pilote, c'est pas dit que. Oh là! Ah, une demande de sauvegarder. Oh! Ah, je crois que je vais me scratcher là. Oh merde! Bon bah. On est réussi hein, au moins. C'est déjà bien. Bon allez, on va se retrouver avec Michael du coup. Non, Franklin pour faire la mission. Alors est-ce qu'il est. Peut-être qu'il est avec le chien. Non. Ah oui c'est vrai, non, parce qu'il y a sa base. Il y a sa nouvelle planque.
C'est une sœur qui m'a offert la base. Parce qu'avant, ils vivaient dans une maison toute pourrie. Ouais, il est content. Parce qu'il a une belle maison. Alors là, moi, je suis content. Alors rien le jour, c'est mieux la nuit. Allez, dégale, on sort de là, Jean-Pierre. Est-ce que j'ai une voiture dans mon garage, juste pour voir? Non, y a rien. Y a une tondeuse, mais je pense pas que je puisse faire grand-chose avec, on va pas se mentir. Je vais prendre la voiture, et on va aller au point de mission. Juste là. Ah oui, je me rappelle, j'aimais bien faire ça en partant de chez Franklin avant. Tac. Et là, des fois, j'arrivais à rouler sur le mur là. C'est assez rare, on va pas se mentir. Oh non, j'ai envie de sortir de là. Je crois que je me suis bloqué volontairement là. Non, rien, c'est bon. Mesdames et messieurs, j'aime bien votre voiture. Je vais prendre un truc avec un silencieux de préférence. Et je vous la volerai bien, même. Hein. Merci, au revoir. Je vous laisse la mienne, il n'y a pas de problème, c'est gratuit. Où est-ce qu'il va aller, le flic, là? Ok, il va à droite, je vais aller à gauche. Un flic là-bas, faut vraiment que je me brouille. Ouais, il va me voir, c'est obligé. Coucou, je suis là. Ok, il m'a vu. Bon bah, je vais rusher maintenant. Heureusement que Franklin il a son truc là. Oh, en pleine descente, vas-y là, go. Trop bien son truc, enfin, franchement, j'adore. Quand tu veux rouler à fond pour échapper aux flics, c'est la meilleure des capacités, franchement. Comme moi, que je fais beaucoup de conneries, bah, échapper aux flics. Oh merde, mais putain, c'est pas l'heure de faire de la gymnastique. Bon, bah, la mort. Bon, au moins là. On va pas se mentir, il n'y a pas besoin de la voler la voiture, elle est déjà là. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fout là, mais elle est là. C'est nickel. Ferme la porte quand même, hein, c'est ce qui a été avant tout. Même si ça tâche jamais, et que du coup je passe toujours à travers le pare-brise. Ah Franck, hein. Pas parce que tu peux aller au ralenti que faut pas s'attacher. Je vais essayer de pas utiliser la capacité pour voir comment je conduis en vrai. Ah ouais, ça va, je suis pas nul en conduite non plus. Attends une minute, il y a un... Qu'est-ce qu'elle a, elle? Ah ouais, il y a un voleur. Pas de problème. Il est mort. Car les mitrailleurs... Et là, avec son sniper. Donc on a quoi? On a 2000 $ et des munitions. Alors, si vous avez un truc comme ça, ne rendez jamais l'argent. Parce qu'on ne vous redonnera pas 2000 $. J'ai déjà essayé, elle vous rend 3... Elle vous rend 50, même pas. Gardez les 2000 $, barrez-vous.
vous n'aurez pas les flics. Donc franchement, profitez de cet offre. Mais merde, j'ai raté mon virage. Allez, c'est parti. Ah mais merde. On dit bien normalement. Attends, mais tu m'étonnes. Les plus... oh, regarde les roues comment elles sont. Elles sont tordues. Ça c'est mon ancienne base. C'est mon ancienne planque. Et on l'a utilisé le jeu à Minecraft que je dis base. Ça c'est mon ancienne planque, je sais pas qu'est-ce qu'elle fout là. Pourquoi je dois aller là. Mais voilà, je dois aller là. Ok, on s'en fout. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Ah ok, on doit aller au magasin d'armes. Le temps de la route, on va vous passer ça parce que sinon ça va être un peu trop long. Voilà, je viens d'arriver, qu'est-ce qu'on doit prendre? Et je dois prendre quoi en fait? Qu'est-ce que je dois acheter? C'est bon? Qu'est-ce que je dois prendre? Ok, bon, en fait, je devais juste prendre des munitions parce que, ouais. On va au lieu de braquage, on verra. Ok, nous voilà arrivés. Je l'entends haut. Ok. Alors là, ce pompe il est naze. Moi, je vais prendre. Vu que j'ai plusieurs armes, autant profiter. On va prendre autre chose. Je vais prendre ça. Je dis pas que je suis obligé de prendre. Non, c'est bon. J'ai cru que j'étais obligé de prendre. J'ai cru que j'étais obligé de prendre le pont. Puis j'aime bien, elle a une grande capacité, 60 balles, c'est suffisant. Attends, attends, attends. Moi aussi j'ai le droit de m'amuser un petit peu, ça vous dérange pas. Merci. J'ai un fusil à bombe avec 30 balles dedans, c'est largement suffisant. Je peux foncer devant sans rien risquer.
pas de gilet pare-balles, donc je vais quand même faire un minimum gaffe. Oh là, j'ai failli lui tirer dessus, il est con. Mais elle reste pas devant toi, je vais lui tirer dessus. Voilà, par contre, je vais prendre autre chose qu'un fusil à pompe. C'est plus simple avec un snipe, on va pas se mentir. Ah parfait, ils en ont tué pas mal là. Vas-y, laisse-moi me cacher mec. Oh la vache. Boum. Je suis désolé, mais moi je marcherai comme ça. Vous faites chier, je vous explose. Et il me tire de loin, lui en vrai, ce point. Il est bien. Oh non, putain, j'y crois pas. Bon, on va refaire. Je pensais pas que je pourrais mourir sur une mission si facile que celle-là. J'ai perdu pas mal de vie au début. Ça va partir en grenade, moi je vous dis. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah ok, j'ai tué mon pote, bon c'est pas grave. Bon, cette fois-ci on va se la faire à la normale. Je vais prendre un fusil d'assaut. On va mitrailler un peu tout le monde. Peut-être une ou deux bombes par là-bas. Ça fait pas de... ça fait pas de mal. Deux, trois bombes comme ça là. Un petit coup de lance-roquette au passage. Voilà, ça fait pas de mal. C'est gratuit. Voilà, j'ai presque plus de vie, je vais faire gaffe. Ouvrir les portes à coups de balle, ce sera plus simple. Préparer le lance-grenade, on sait jamais. Allez, au revoir. Hélico terminé. On va se dépêcher. C'est quand que c'est fini que leurs hélicos de merde là. Toi là, t'entends? Tu me caches la vue, je peux pas filmer tranquillement, alors t'arrêtes. Merci. Et que son lampadaire. Oh merde! Oh non, vas-y. Dépêche, dépêche, dépêche. Oh, je suis où là? Merde. Je suis pas sûr, mais je crois que j'ai fait une connerie. Go, 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 go. Remonte, 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 remonte tranquille.
C'est bon, j'arrive. Voilà, c'est bon. Allez, on y va. Oh merde, 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 merde. Je fais que des conneries, moi. Allez, go, go, go. Rentrez, les gars. Putain, mais il est con, quoi. Allez, go, 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 on se calme. Oh, j'ai pas de vie. Heureusement, eux, ils peuvent tirer. Et bouge! Sérieux? Pile quand il faut pas, les gens. Hein. C'est pas cool, ça. Rien, on se dépêche. Oh, putain, j'ai un pneu qui est mort. Putain. Oh, merci. Bon, une fois, il m'a aidé plus qu'autre chose. En plus, il est mort. Oh merde, la poisse. Voilà, c'est reparti. Maintenant, il va falloir se dépêcher. Voilà. Je vais me rendre la mine de proximité dans ma main au cas où il y en a des flics. Jamais, mais là perso je vais commencer à rouler à fond. Oh là là, ils ont bloqué eux-mêmes, ils sont pas très bons, ils sont pas très intelligents. On continue. Ok, là je suis hors de vue des flics. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller par là. Je vais rejoindre là-bas. Ok, il m'a pas vu. Tac. On va m'arrêter ici un petit peu. Faire pause. Il y a un flic qui arrive sur la. Ah, il y a un flic qui m'arrive là, qui m'arrive dessus. Yes! Ils sont partis avant de me trouver. J'ai vraiment eu de la chance. Allez, je me casse. Va falloir faire vite. Waouh! Fallait être concentré. N'hésitez pas à liker si vous voulez des vidéos d'autres dans ce genre. Moi j'aime bien les faire. Même s'il n'y a pas de mission, j'aime bien faire des missions genre on s'amuse quoi. C'est cool, j'aime bien. Voilà. Et s'il y a des missions, bah, dites-moi si vous voulez préférer les missions ou pas. En tout cas, peu importe, moi j'aime bien tout. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Dites-moi juste ce que vous voulez qu'on fasse sur GTA et on le fera. Voilà. Voilà, mission accomplie.
va sauvegarder vite fait. Et on va pouvoir se dire salut, c'était les mitrailleurs. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésite pas à liker si tu veux d'autres. Me dire en commentaire ce que tu veux qu'on fasse comme jeu. Enfin, non, comme jeu, ça va être compliqué. Si j'ai Modern Warfare 1 aussi. Et ce que tu veux faire dans GTA. Allez, salut.